Liberté, égalité, fraternité. Conférence pour la presse. Mercredi 25 novembre 2020. Syndicat Police Nationale d'Haïti, SPNH 17, a salué la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. N'a salué tout policier et personnel administratif dans quatre points pays et dans la diaspora. Et spécialement PPAD, plateforme policier haïtien diaspora. Qui pas jamais suspend supporter SPNH 17 là dans tout mouvement lio pour une police plus moderne et plus respectée. Population qui pas jamais suspend accompagner nous dans mouvement pacifique nous. Syndicat prend note de tout changement qui pas fondé sous aucune loi qui régit institution PNH là qu'a fait par pouvoir exécutif là dans dernier temps ça. Si tout les n'a regardé révocation ancien DG PNH là, Normine Rameau, qui est arrivé à jouer une révocation après le fin ventilé budget 2020-2021, une façon pour les policiers de jouer 25 000 gouttes qu'à débit nous avons demandé, malgré ne pas vouloir coopérer avec SPNH 17 là pour raison politique. Tant qu'on a coupé clair, politiquement, il est remplacé par M. Léon Chamou, qui est un ancien DG dans l'année 2004-2005. Question à poser. Est-ce que c'est dans la formation, M. Léon Charles, d'y aller pour le bien diriger la police qui fait retourner avec dans la tête de la police comme ancien militaire? Si tout le monde a regardé, le changement qu'a fait dans le commandement côté ces militaires qui ont occupé le poste clé. Nous avons rappelé au gouvernement que les revendications n'ont pas changé. Parce que faut que l'État haïtien traite, suspend traiter les policiers en parents pauvres, pendant que c'est eux qui sont exposés dans la rue. À tout danger dans le dernier jour, ça y est. Et c'est eux qui sont plus victimes dans l'insécurité. C'est la raison ça qui fait nous ne pouvons jamais suspendre de dépolitiser la police. La revendication nous n'a pas changé. Nous avons demandé réintégration porte-parole, nous, SPNH 17, à Belson Gouneg, pressé. Annulation transfert membre comité central SPNH 17, qui au commandement est transféré bien loin dans l'autre département pour affaiblir le mouvement. Syndicat police là. Syndicat police là a demandé l'État à gros commandement suspend la persécution contre le coordonnateur général SPNH 17 là, Jean Elder Lundi. Conseiller nous, Carlos Saint-Aurès, délégué Woodzel Saint-Hilaire, Gerbi Geoffroy, Dario Antoine, et membre fondateur SPNH 17 là, Pascal Alexandre. Nous ne pouvons pas suspendre parler des persécutions contre l'ancienne coordonnatrice générale, nous, Yannick Joseph, et le coordonnateur général PPADA, Cézignon d'Olian. Et ce qui est là, a demandé l'État, avec le commandement, remettre précis, chef coordonnateur général SPNH 17 là, lundi Jean Elder, délégué Gabi Geoffroy, avec Odzel Saint-Hilaire. Syndicat ne peut pas suspendre demander 25 000 gouttes, 4 débits policiers, à 15 000 gouttes personnel administratif yo, qui payent en faveur. Syndicat a demandé au gouvernement Moïse Jutla presser répondre à la revendication policière yon façon pour yon bay population yon bon service. Et puis, suspendre politiser au commandement nan bay l'ordre arbitraire face population les manifester pacifiquement pour demander l'État s'acquérir de les droits et surtout les attendre déclaration personnage CSPN nan, PM Joseph Joune, SPNH 17 là a demandé pour le ressaisir avec mon déclaration incendiaire ça l'IFEA qui a tendance pour diviser PNH là anti groupe ennemi dans un pays de sang côté il dit à l'impossible nul n'est tenu. Est-ce que c'est tout le monde qui a un plan pour mettre panique dans la population
à policiers qui ont demandé au gouvernement meilleures conditions de vie à travail qui était un droit fondamental. Syndicat a rappelé à la justice là. Pour le penser sous cas policiers qui sont en prison, et spécialement Molière Saint-Élise, policier 10e promotion qui était condamné pour 12 années et qui depuis 1er avril 2020 fin pigé peine qui peut être libéré. Syndicat a demandé OPC, RNDDH, à l'autre instance droit mounio pour accentuer sous cas policier prisonnier. Syndicat a profité pour yon pinga pour dire l'État haïtien 25 000 gouttes, 4 débits policiers, pas négociés. À 15 000 gouttes, personnel administratif. Yo. Et souhaité PM, joute, avec les membres du gouvernement, tant de raisons. Parce que on n'y a pas empêché nous fouler béton dans le mois de décembre qui a venu là, pour demander l'État répondre à la revendication nous yo, pour une police plus professionnelle, mariée à la population, pour un Haïti mieux. Vive Haïti! Merci. C'est là, par exemple, où elle a félicité le mauvais comportement des policiers qui sont censés mal agir et nous, elle s'est félicité au lieu qu'il lui a amené à l'ordre. Ça, pour nous-mêmes, c'est déjà mal passé. Mais cependant, c'est nous-mêmes qui là, nous avons souhaité que prochainement, Jean de Barret soit prêt pour prendre conseil de nous parce que nous parlons pour ça. Deuxièmement, nous gagnons encore. Nous avons un premier ministre qui est censé être le premier personnage du Conseil supérieur de la police nationale. Pas oublier que l'efficacité du travail de la police réside dans la prévention, pas dans l'intervention. Mais par exemple, pour un premier ministre, comme premier personnage du Conseil supérieur de la police nationale, qui déjà prévoit un bain de sang comme un personnage responsable de l'état douanier, pour ses réactions saliennes, il va nous qui mesure du balcon préventivement. Pour qu'on puisse faire face à 2200 ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, population, tous les journalistes, tout le monde, nous en danger avec les gens irresponsables. Nous-mêmes, SPNH, non seulement nous faisons des revendications, mais la situation population nous intéresse nous en pile. Voilà. Ma propriété pour me dire la question est Zamian. SPNH, je ne sais pas qu'il y a un problème avec un DG, mais nous ici, toutefois, DG a nommé, et selon les normes. Et SPNH 17 n'a pas compris en face personne. Mais il est important pour nous, ODG ou bien au commandement, chercher à rejoindre avec syndicat une façon pour embrasser les revendications policières et pour aller dans l'instance concernée. C'est une raison qui fait souvent nous parler pour dépolitisation de la police. Il y a une façon pour DG au connaît. Ce n'est pas avec M. Politique ou encore le gouvernement qui vient travailler. Même si je dis à notre travail pour une institution, il faut que vous-même vous ayez dans le même sens avec nous pour travailler pour une institution. Ok, il y a un fantôme 509 là qui est récemment fait une démonstration dans la rue. Vous demandez même ça n'a pas de là 25 000 gouttes, 50 gouttes, 15 000 gouttes. Et en pile, le monde critique parmi eux. Ou état-major, nous-mêmes qui jeunes comprenons le comportement de Fantôme 509 là, ou bien qui rapport Fantôme 509 qui est avec le syndicat. Moi, j'ai un grand conseil et ma baille l'état haïtien pour répondre nous. Si je dis à nous-mêmes dans le syndicat, depuis 27 octobre 2019, nous mettons pieds à terre pour nous demander une meilleure condition de vie, une meilleure condition de travail pour les policiers. Pour que ça, l'état pas entré dans la conscience, pour nous dire que les policiers ont sacrifié dans la rue pour la sécurité dans toute forme d'opération. Je dis à policiers et les gens qui disent que c'est fantôme 509, pas oublier la déclaration, ils ont souvent dit que c'est le baron qui va au l'ordre. Mais nous-mêmes, des vivants, c'est le commandement qui va au l'ordre. Et bien, le baron va au l'ordre, c'est parce qu'ils sont des victimes. Ils sont victimes de système, ils sont victimes de gouvernement. Dans l'opération, côté que n'ont pas de casse balistique, ils n'ont pas de gilet babal, ils mourent. Moi-même, je dis à mes malgré le dévouement de gilet babal, j'ai un chat Escaillon et Walki Kalix, qui des amis, j'ai un au courant, j'ai assassiné M. Sayo. Donc, pas jamais qui poursuit qui fait. Eh bien, M. Saoulé a parlé de tout. C'est le parle vivant, yo, je dis à la, tomber dans ça qui est tombé. Si ma baille l'État yon conseil, je dis à la, arrangez. Et surtout, PM Jout, qui campe, et utilise l'expression, et bah, il n'a pas été en on m'a dit, en même pays, si nous permettons de dire, pour dire non, il n'y a pas d'augmentation de 25 000 gouttes, 4 débits que nous avons demandé. Côté que déjà nous avons rapporté 20 000 budgets, ce n'est pas une faveur qui a fait nous, et nous connaissons les revenus du droit. Eh bien, Mounsa et Fantôme 509 qui toujours dit, ils prennent même revendication policière, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes une structure, nous sommes une instance légale
Donc, vu que nous, légal, l'État n'a pas le temps de nous, eh bien, on va au l'autre pour venir nous. Et nous, on a supporté les fantômes, ça veut dire? Et proverbe là dit changer ses chemises au monde qui suit vous. Moi si malade je dis à la mal caoba mal l'église pas guéri mal caoba ou grand Dieu qui guérit m'a changé chemise pour vous. Si c'est Jésus, c'est bon Dieu guérit m'a changé chemise pour vous. C'est ça. Et puis bon bagage important tout. Symboliquement nous connaissons que PNH créé PNH constitution par loi l'article 35.3 pour être capable bien syndical normal. Malheureusement nous avons des policiers depuis des années, pacifiquement, qui demandent pour reconnaître le droit. Nous connaissons tout ça que les policiers savent. Par exemple, moi-même personnellement, nous sommes victimes de ça. Pour chasser, exclure, stigmatiser, appauvrir tout le bagaille. Voilà que malheureusement, quand fantôme frappe bien, donc le bagaille qui change. Nous quittons ça, non, mais nous pour nous juger, pour nous ouest, ça, je vais passer mon affaire. Et pour finir, nous nous trouvons pour Haïti. Comment est-ce qu'il y a un achat travail avec le fantôme 509? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un maintenant, est-ce qu'il y a un achat qui travaille de conscience avec le fantôme 509? SPNH 17 et pas travail à fantôme 509 et le pagain pour le travail à fantôme 509. Parce que SPNH 17 est une structure légale, nous c'est des vivants et fantôme même nous c'est des zombies. C'est-à-dire c'est ou même qui campe l'autre en fantôme. Il y a des gens qui fantôme, mais pas connu. Il y a des gens qui fantôme dans le temps, là, c'est seulement cagoulé, pas cagoulé. Ou pas connu. Donc, en un mot, SPNH ne travaille pas avec personne, ni pas en partenariat avec personne, ni rite en structure. Et en dans PNH, là, qui a pu jouer World Ball, qui a pu travailler, pas après, provision légale qu'il vient dans le ministère des Affaires sociales. Ça qui doit. La question, ça, madame, qu'on est entre nous-mêmes, avec interlocuteur, nous. Qui est-ce qui en tort bien qui est-ce qui en raison bien qui est-ce qui en tort? Le par exemple regardé dans la constitution, article 25.1, il dit nous comme ça. Nul, vous entendez, nul n'a souligné ça à trois bas. Nul ne peut être interrogé sans l'assistance de son avocat ou de quelqu'un de son choix. C'est ça que moi-même personnellement, qui toujours accompagné Pascal et d'autres policiers et du SPNH, nous toujours accompagné. À chaque fois, nous butons avec un comportement arbitraire et au état-major là, qui toujours dit qu'il n'y a pas voulu nous chita avec avocat, il n'y a pas voulu interroger les policiers nous avec avocat. Alors, nous toujours disons que ce n'est pas mon droit qu'il a cherché, son droit acquis. Alors c'est comme ça que nous comprenons ça nous-mêmes.